Alors, dans cette séquence, euh, la première donc de la première semaine, nous allons voir les problèmes de syntaxe, comment écrire des programmes, comment écrire des expressions. En mathématiques, en informatique, quand on parle d'expression, on parle d'une formule qui permet d'exprimer la façon de calculer une, un certain résultat. Et donc, je pose deux questions. La première, c'est comment écrire ces formules Quelle est la syntaxe Quelle est la grammaire Quelles sont les choses qu'on a le droit d'écrire et celles qui, sont, qui ne sont pas, comment dire, possibles Et enfin, le second point qui, lui, est plus lié à l'informatique, c'est comment ces formules, une fois qu'elles sont écrites, peuvent être calculées de manière à conduire au résultat. Alors, l'écriture d'une expression, nous sommes, comment dire, dans une langue qui est très proche des mathématiques. Et si je prends le petit polynôme qui a été écrit là, 3x2 plus 2x plus 4, je voudrais vous montrer en fait que la langue mathématique est particulièrement euh, comment dire, euh, ambiguë et chose que l'on ne peut pas supporter en informatique. Donc si vous prenez toujours ce petit polynôme, la 3x2 plus 2x plus 4, en fait on se rend compte d'un certain nombre de caractéristiques qui sont sous-entendues dans l'écriture mathématique, qui est que par exemple quand on écrit 2x, il n'y a pas de signe explicite qui représente la multiplication. La multiplication est simplement le fait qu'on a mis 2 devant x et que manifestement on veut avoir 2 fois x, sauf que le fois ne se prononce pas et qu'il n'est même pas mentionné. Le second point est que l'écriture mathématique est une écriture à deux dimensions. Vous voyez que, notamment on écrit x2 donc, avec un exposant, et euh, cet exposant représente donc le carré de, de x. Enfin, un dernier point aussi, c'est que quand on dit 3x2 plus 2x plus 4, L'ordre de priorité des opérateurs, notamment le, le plus l'addition par rapport à la multiplication, fait qu'on entend que c'est 3x2 le tout plus 2x le tout plus 4, et non pas, euh, par exemple, pour 2x plus 4, 2 fois... x plus 4. Et donc la, la, la priorité des opérateurs est sous-entendue, sachant que la multiplication, d'une certaine manière, est plus attractive que l'addition, et donc elle capture le 2 fois x, euh, comment dire le 2 capture le x, et le tout, en fait, est additionné à 4. Si on devait mettre toutes les parenthèses en écriture mathématique, on aurait quelque chose qui ressemble à ce qui se trouve en bas, à savoir parenthèse 3 fois x au carré, et x au carré est lui-même mis entre parenthèses, et donc on a deux parenthèses qui se terminent pour 3x2, le tout plus, puisque plus est un opérateur binaire qui prend deux membres pour les additionner, donc on rouvre une seconde parenthèse pour dire que là maintenant on a encore une addition qui est l'addition de 2x avec 4 et 2x lui-même est mis entre parenthèses pour dire qu'il y a une multiplication entre 2 et x. Donc tout ça en fait conduit à une écriture assez lourde et c'est pourquoi effectivement depuis des, 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 dire, des siècles les mathématiques ont cherché à euh, améliorer la compacité des formules et qu'on a laissé tomber toutes ces parenthèses au profit de conventions que l'addition est moins attractive que la multiplication par exemple. Alors, on pourrait aussi prendre une autre graphie particulière, qui serait la graphie des arbres, où là, on voit qu'on a un arbre dont la racine se trouve en haut, d'une addition, avec un, un, un arbre à gauche qui est la multiplication d'un petit arbre à gauche qui est 3, et un petit arbre à droite qui est la puissance de x et de 2, etc. etc. Sauf que cette écriture est particulièrement longue à écrire et donc n'a pas été favorisée par l'évolution naturelle de l'écriture mathématique. Alors, la syntaxe mathématique a aussi un certain nombre d'ambiguïtés. Euh, J'en ai mentionné quelques-unes, dont par exemple, quand on écrit A plus B fois C, est-ce que l'on veut dire A plus B le tout fois C, ou est-ce qu'on dit A plus B fois C Donc là, on a deux ambiguïtés, et comme je l'ai dit sur le transparent précédent, en fait, la, la multiplication est plus attractive que l'addition, et donc c'est B fois C qui vient en premier, et l'addition qui vient en second. Quand on commence à introduire le signe moins, donc la soustraction, on commence à avoir des, des choses plus compliquées. Est-ce que quand on écrit A moins B plus C, on veut dire A moins B le tout plus C ou A moins B plus C. Et là encore, les deux, comment dire, si vous mettez des valeurs dans A, B et C, vous avez des résultats différents. Alors là encore, il y a des conventions, et toute personne qui a fait des mathématiques pendant quelques années, sait que on lit A moins B le tout plus C. Maintenant, une chose qui est beaucoup plus ambiguë, parce qu'en fait on la trouve rarement dans la, dans la réalité, si j'ose dire, c'est A sur B sur C, qui peut se comprendre encore une fois de deux manières. Est-ce que c'est A sur B le tout sur C, ou est-ce que c'est A sur B sur C Et vous remarquerez que je mets des petites pauses dans ma, dans ma prosodie pour dire c'est A sur B sur C, pour la première ligne, ou A sur... B sur C sur la seconde ligne. Les petites pauses que j'introduis en fait permettent de savoir si on a affaire à l'une ou l'autre des deux écritures. Et là encore, si vous mettez des valeurs numériques sur A, B et C, vous obtenez des résultats différents. Donc tout ça veut dire qu'il y a pas mal de façons d'écrire en maths et qu'elles sont ambiguës et que donc pour ensuite être capable d'instruire un ordinateur et, bien, et donc d'écrire des programmes, vous devez en fait absolument bannir toute cette ambiguïté. Alors, regardons les différents choix qui s'offrent qui à nous dans les écritures donc linéaires. Linéaire, ça veut dire sur une seule ligne, puisqu'on n'a pas le droit à deux dimensions. Vous avez un unique clavier, et un unique clavier peut être vu en fait comme une suite de caractères qu'on tape les uns derrière les autres et qui représente un unique, une, une ligne simplement de caractères. Donc, on a les possibilités de faire des choses préfixes. Où l'opérateur préfixe et se trouve précédent les opérandes. Et donc, par exemple, un opérateur op avec deux opérandes a et b s'écrirait d'abord l'opérateur suivi des deux opérandes. Donc, par exemple, quand vous écrivez log de e, ici c'est un opérateur unaire et non binaire, log préfixe l'expression e qui se trouve derrière. On peut aussi utiliser une opération, une écriture infixe, qui consiste à mettre l'opérateur au milieu des deux opérandes. Quand vous écrivez x plus 3 par exemple, vous mettez l'opérateur plus au milieu de ces deux opérandes qui sont x et 3. Euh, si vous prenez a flèche b, la flèche qui représente l'ensemble des fonctions de a vers b, en fait, est encore une fois un opérateur binaire qui se situe entre les deux. Enfin, il y a une troisième type d'écriture qui sont les écritures suffixes, où là, l'opérateur suit les opérandes. Et donc, on écrirait pour un opérateur binaire l'opérande A, l'opérande B et le nom de l'opérateur derrière. Des exemples, ils sont là aussi unaires. Vous avez F' qui veut dire la dérivée de F, donc le prime s'intéresse à la chose qui se trouve avant lui. Et puis, vous avez par exemple factoriel de N qui a l'intérêt le, le, de dire on dit factoriel de N, c'est-à-dire qu'on le prononce de manière préfixe alors qu'en fait on écrit n point d'exclamation et qu'on l'écrit de manière suffixe. Tout ça pour montrer effectivement que tout ça est bien, bien divers dans les graphies mathématiques. Donc notre problème est que nous devons écrire des choses qui sont absolument non ambiguës. Alors il y a un mathématicien polonais, Lukasiewicz, qui il y a plus d'un siècle a essayé de fabriquer une langue mathématique qui ne soit pas ambiguë et qui est arrivé à un certain nombre de résultats, et notamment que si on a des opérateurs dont on connaît l'arité, alors on peut toujours retrouver l'expression à partir des notations préfixes ou postfixes, mais pas infixes. Et donc par exemple, quand on écrit en, le, en, en ce qu'on appelle la polonaise postfixée 3, 2 plus 5 étoiles, et là les gens reconnaîtront des choses qui ressemblent aux anciennes calculatrices postfixées euh, HP par exemple à l'époque, euh, c'est égal à quoi ce 3, 2 plus 5 étoiles, donc on met maintenant les opérateurs après les opérandes, et bien 3, 2 plus veut dire qu'on fait 3 plus 2. Et donc 3 plus 2 devient 5. L'expression donc serait écrite en 5-5 étoiles, c'est-à-dire la multiplication de 5 et de 5, et donc ça donne 25. Si maintenant j'écrivais quelque chose en mode préfixe, comme par exemple étoile moins 5, 1, 3, eh bien le premier opérateur moins qui a ses deux opérantes juste derrière lui, c'est le moins avec 5 et 1. Donc moins 5 et 1 ça donne 4. Et maintenant, vous avez l'étoile qui a ses deux opérandes derrière lui, et donc 4 fois 3 donne effectivement 12. Par contre, la notation infixe, elle, elle est profondément ambiguë, et même si effectivement c'est la plus usuelle pour les plus, les moins, les multiplier, ce n'est pas celle qu'on prendra parce qu'elle est trop ambiguë et qu'elle nécessite, pour la désambiguer, comme on dit en jargon, d'utiliser des parenthèses. Alors, les expressions en Scheme, et Scheme va être le langage de programmation qu'on va utiliser, c'est un langage assez simple. Euh, avec une syntaxe extrêmement, comment dire, euh, rudimentaire. Nous allons prendre une écriture préfixe, donc les opérateurs vont préfixer les opérandes, l'écriture sera totalement parenthésée, les parenthèses entourent toute l'expression, et les séparateurs entre les différents termes, donc les opérateurs, les opérandes entre eux, ce sont les espaces ou les retours à la ligne. Donc supposons par exemple maintenant que nous ayons 6 sur 2 plus 5 fois 6, et eh bien ceci en scheme s'écrira tout, tout bêtement, nous avons pour 1, un, une addition, donc ouvrante, parenthèse ouvrante, et nous avons la parenthèse fermante à l'autre bout, plus, car c'est l'opération qu'on veut opérer, qu'on veut, comment dire, effectuer sur les deux opérandes. Ensuite, seconde parenthèse, divisé 6, 2, qui sont les deux opérandes 6 et 2 de la division. Et puis, second membre, euh, qui est la multiplication de 5 et de 6, donc parenthèse ouvrante, étoile, blanc, 5, blanc, 6, parenthèse fermante. Et donc le tout donne cette expression totalement parenthésée et non ambiguë, où on voit bien qu'il s'agit d'une addition entre un quotient et une multiplication. Alors, un autre exemple, 6 sur 2 plus 5 fois 6 multiplié par la valeur absolue de moins 2, et bien ça va donner un peu quelque chose qui ressemble, donc c'est une addition dont le premier terme est ouvrante divisé 6 2, fermante c'est le premier euh, opérande et le second opérande vous voyez qu'il s'agit d'une multiplication de 5 par 6 et par la valeur absolue de 2 comme l'expression est totalement parenthésée on peut mettre le nombre d'opérandes souhaité et donc là on dit simplement parenthèse ouvrante étoile il s'agit d'une multiplication avec 5 6 et la valeur absolue de moins 2. Donc il y a trois opérandes à cette multiplication, même si effectivement il y a deux multiplications qui sont faites. Ça permet d'alléger un petit peu l'écriture. Donc voici la, comment dire, le résumé de tout ce qui est donc, syntaxe au niveau de Scheme, et ça termine la séquence première.